Please be seated. The court is now back in session. Reprise des débats. You may continue your question. Co-procureur, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous signaler, avant de commencer, que je n'aurai sans doute pas fini à la fin de cette journée, et donc en accord avec les parties civiles, les avocats des parties civiles, je prendrai sans doute aux environs d'un quart d'heure demain matin en début d'audience pour pouvoir terminer avec mes questions. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Pol Pot vous avait contacté ainsi que d'autres membres du ministère des Affaires étrangères. Comment vous a-t-il contacté? Était-ce par téléphone? Pouvez-vous nous dire comment il procédait? Or how did they proceed? At that time, well, I cannot recall it well, but I only learned it from Mr. Ieng Sary. Ieng Sary did not come to meet us on a daily basis, but normally ne nous rencontrait pas chaque we jour. Met him two or three times général, per week. On le rencontrait deux ou trois fois I cannot par recall semaine. It well, but Mr. Nikon, who was in charge of Nikon, protocol office, qui était responsable du bureau du protocole, asked me to go. Est celui qui m'a demandé d'y aller. Donc en réalité, Pol Pot ne vous a jamais contacté personnellement so reality, et directement, parce que c'était toujours par le biais de Ieng Sary ou de quelqu'un d'autre. Ieng Sary or somebody else? No, he never contacted me directly. Il ne m'a jamais contacté directement. Merci. Monsieur le témoin, j'en viens à un autre chapitre. Mr. Witness, turning to another est-ce que durant topic, le régime du Kampuchea démocratique, during the democratic Kampuchea regime, vous avez constaté des disparitions did you au ministère des Affaires étrangères disappearances de in the membres of du affairs, ministère of members lui-même of the ministry itself, ou d'autres personnes qui avaient été affectées temporairement who had been temporarily sent there. Yes, I did notice the disappearance of personnel. J'ai remarqué la disparition de membres du personnel. De quel type de personnel s'agissait-il? What sort of personnel est-ce qu'il y avait différentes catégories de personnes about, travaillant à B1 qui ont disparu? Je pense par exemple aux ambassadeurs, à des intellectuels, à des cadres de B1 ou à de B1 simples combattants de B1. Or mere B1 combatants. Those who disappeared from B1 included parmi ceux qui ont disparu de B1, So Sai, il y avait Wind, he was so the secretary alias Wan, of the party cell secrétaire de la at cellule du parti, the bureau section, à la section du bureau. And then she was appointed to the general politics elle department. A été nommée au sein du département de her la politique générale. Wind, but elle her full name Van, I cannot recall. Mais je ne me souviens pas de son nom complet. He came once and then disappeared. That was one of the examples. And in il other section, fois, for example, Kao. Kao, who was the dans notre section, il y avait par exemple Kao. Head of
civil aviation. Chef de l'aviation civile. At that time, civil aviation was subordinate to the Ministry of Foreign Affairs, and Kao was in charge of the civil aviation. Était responsable de l'aviation civile. Il a disparu. But I did not know the reason for the disappearance. He might have been transferred to other position, or he may be taken away to somewhere else. I did not know. And there was another engineer. Il y avait aussi un autre ingénieur. He also disappeared. Qui a aussi disparu. He stayed in a house close to the Royal Palace. Il logeait dans un he came to work with Ministry of Foreign Affairs for a short period of time, and then he was transferred to Ministry Après of Industry, and then later on he disappeared. Et par la suite, il a disparu. And Tun Chu Tirin, who was another staff member of Ministry of Foreign Affairs, also disappeared. So, to my knowledge, there were some personnel who disappeared within the Ministry of Foreign Affairs, but I did not know the reason for the disappearance, and nobody told me about it either. They disappeared mysteriously. Non plus pourquoi ils avaient disparu. Cette disparition, ces disparitions sont restées mystérieuses. Merci, monsieur le témoin. Je vais tout d'abord commencer par le sort d'un certain nombre d'anciens diplomates du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire, après la prise de Phnom Penh, qui a appelé les diplomates de l'ancien régime à rentrer au pays? The diplomats from the former regime back to the country. Well, following the 17th of April 1975, après le 17 avril 1975, diplomats who were on the mission overseas continued to work there. Qui étaient en mission à l'étranger. Ils sont restés but the decision to call those diplomats back to the country was made in late 1975. And normally Pol Pot was the one who rendered that decision. It was not up to Ieng Sary to decide, Pol Pot, but it was the leader of the country at the time de to decide on calling back those du diplomats. Pays de décider de rappeler ces diplomates. Monsieur le témoin, vous parlez d'une décision de Pol Pot une fois de plus. Comment savez-vous que c'est Pol Pot qui a pris cette décision? Qui vous en a parlé? If Ieng Sary did not make that decision, who else could make that decision? It must have been Pol Pot. Si Ieng Sary and the intellectuals who returned to the country had to go through the democratic Cambodia diplomatic mission in China. Rentrant au pays devait passer so par l'ambassade at that time, they took away their belongings. Ils ont such as watches or other jewelries were removed from them and kept at the embassies in China. So the decision to remove those belongings from the intellectuals were not the decision of Ieng Sary. It was the one made by Pol Pot. For example, in the embassy, the ambassador was not the person who was vested with the
power and authority. Normally, the secretary attached to the embassy who made the decision. This was reflected by my personal experience. It was not the ambassador who had the authority over the embassy, but it was the secretary attached to the embassy. Certain affairs, the minister did not even inform of the matter because the issue was referred back to the party center back in the country. La question était renvoyée au centre du parti à l'intérieur du pays. Justement, monsieur le témoin, vous nous dites que ce n'était pas une décision de Yangtze-Sari, donc nécessairement ça devait être une décision de Pol Pot. Est-ce que vous avez participé, vous, aux sessions, aux réunions du comité permanent? In meetings of the standing committee? I did not have any role to play in the meeting of the central committee meeting. Je n'ai joué aucun rôle pour ce qui est de réunion du comité central. Et donc, est-ce que vous étiez communiqué les comptes rendus des réunions du comité permanent également, qui vous aurait permis de faire la distinction entre les décisions qui sont prises? Qui étaient prises peut-être individuellement par Pol Pot ou des décisions de nature collective prises par le comité permanent? Est-ce que vous receviez les comptes rendus des réunions du comité permanent, monsieur le témoin? The minutes of the standing committee meetings, Mr. Witness? Never had I received a copy of the minutes. Je n'ai jamais reçu d'exemplaire de procès-verbaux. Merci, monsieur le témoin. Thank you, Mr. Witt. Parmi les anciens diplomates, donc d'avant le 17 avril 1975, qui ont été rappelés à partir de la fin 1975, pourriez-vous nous donner un certain nombre de noms de ces anciens diplomates et leur poste d'affectation à l'époque? Of these diplomats and the postings that they had at the time. Mr. Saranchak, who was the Minister of Foreign Affairs qui était ministre des Affaires étrangères National United Front of Kampuchea, Mr. San, Union Nationale du Kampuchea, the ambassador to Russia, Mr. Hutsambat, the ambassador of Cambodia to Yugoslavia, Mr. Sukunti, the charge d'affaires, the acting charge d'affaires par intérim to Banlong, His Royal Highness Son Altesse Prince Royale, le Prince Mitiwi, the charge d'affaires of the Cambodian embassy in Germany, le chargé d'affaires de l'ambassade du Cambodge en Allemagne, I cannot ainsi que recall d'autres their name. Diplomates dont and even to date, I cannot recall of all of those diplomats who même were jour, posted overseas. Je ne me souviens pas de tous ces diplomates qui étaient en poste à l'étranger. Est-ce que Nupek Aliassin, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose parmi les diplomates du groupe? Is that a name that rings a bell among these lists of diplomats? Yes, Nupek was the ambassador, a Cambodian ambassador to Charles at that time. Du Cambodge au Tchad à l'époque. Et In Sopan, and what about excusez-moi pour la prononciation, excuse my pronunciation. Est-ce que c'était un ancien chargé d'affaires du GRUNC? He a former GRUNC chargé d'affaires? Bah,
Yes, Ân Sopon was the Ân Sokhan's brother. Était le frère d'Ân Sokhan. Ân Sokhan was the former student union in France. And then later on, he was appointed the charge d'affaires of Cambodia to Albania. Du Cambodge en Albanie. Est-ce que parmi tout ce groupe d'anciens diplomates, combien sont passés par le bureau du ministère des Affaires étrangères à leur retour fin 1975? When they came back towards the end of 1975. As a matter of fact, those diplomats who were called back to the country did not return to the Ministry of Foreign Affairs. Ne sont pas if I still remember correctly, Mr. Ian Sari called me to meet with him in one of the houses in Phnom Penh, and actually those diplomats did not come through Ministry of Foreign Affairs, with the exception of Mr. Toit Kham Duen, who was the former president of the Students' Union in France, and he was also a party member. Également membre du parti. And a former member of the Marxist-Leninist circle in France. He returned to the Ministry of Foreign Affairs. Lui and est Mr. rentré par le ministère des Affaires étrangères. And General Duong Samol. Et M. Sarin Chak et Duong Samol through the Ministry of Foreign Affairs for a certain period of time. Par le ministère des Affaires étrangères pendant un certain temps. Est-ce que c'était le ministère des Affaires étrangères qui accueillait ces anciens ambassadeurs à l'aéroport de Pochentong? Was it the Ministry of Foreign Affairs that actually received these former ambassadors at Pochentong Airport? That I did not know. I did not know who went to receive them at the airport. But what I knew was that I met them in one of the houses organized for them in Phnom Penh. And following the meeting with them, I did not know where those former diplomats sent to. Où ces anciens diplomates ont été envoyés. Quand vous les avez rencontrés dans une maison à Phnom Penh, c'était bien, parce que c'était bien dans le cadre de vos fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères. At that time, I accompanied Mr. Ian Sari and a few others, Ministry of Foreign Affairs cadres, but I cannot recall who was at that time. Mais je ne sais plus qui était qui à l'époque. Et à quel endroit a eu lieu cette rencontre entre Ian Sari, vous-même et d'autres cadres avec ces anciens diplomates? With these former diplomats. I cannot recall the exact location because at that time I did not know Phnom Penh well, and it also took place a long time ago. I did not pay attention to it. To me, that particular meeting did not have any significance to me. Ne revêtait aucune importance particulière. Est-ce que par la suite, plus tard, est-ce que vous avez appris le sort qui a été réservé par le régime à un certain nombre de ces diplomates? Je pense à Chisan, Yisukunti, Sukunti, Hutsambat, Nupek alias Sin, Ynsopan, Sisovat Mitovi. Que leur est-il arrivé? What happened to them?
At that time, I did not know what happened to those diplomats je ne savais because pas ce qui était arrivé à ces diplomates, it was not within my responsibility car cela and duties. Ne relevait pas but de mes I fonctions learned et responsabilités. About it later on Mais in 1979. Par la suite, en 1979, je l'ai appris. Et peut-on savoir ce que vous avez appris en 1979, and monsieur what you did learn in 1979, Mr. Witness, about these people? I learned about it, but I did not have the full knowledge of their disappearance, and I cannot recall J'ai it clearly either. Ce qui leur était arrivé, mais partiellement, je n'ai pas connu les raisons complètes de leur disparition. But I learned from one of the students whom I met later in France as well as Il in Khmer, in Cambodia, que j'ai rencontré à l'époque en France et au Cambodge. Lived with those people. Celui-là but, avait vécu avec ces gens as et c'est par lui que when je l'ai exactly appris. Mais pour ce I qui est de savoir à quel moment exactement ils ont disparu, je n'en sais rien. Merci, Monsieur le Témoin. Thank you, Mr. Witness. Monsieur le Président, juste pour, Mr. President, au fin de la transcription, je voudrais simplement mentionner que les noms de Nupek alias Sin et Chisan alias Chir figurent sur le document IS5.70, qui est une liste de prisonniers de S21. Et il est dit dans ces documents qu'ils ont transité vers le centre K17. Il y a un autre document qui porte la mention du nom de Insopan des Affaires étrangères, qui est le document D199-14.5. C'est une liste d'exécution de S21 qui est intitulée Nom des prisonniers exécutés le 9 décembre 1977. Et enfin, concernant Hotsam Bhatt, il y a un document IS531 qui constitue les aveux de Hotsam Bhatt à S21. Et c'est la même chose pour Isup Ganti sous la cote D366-7.1.83. Il s'agit aussi d'aveux de Isup Ganti à S21. Concernant M. Tochkandun, M. le témoin. On the subject of Mr. Tochkandun, Mr. Witness. Donc, vous avez dit qu'il avait été membre du cercle marxiste-léniniste, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez fait partie avec lui du bureau de l'Union des étudiants Khmer également à Paris? Yes, I was. I was a member of the Leninist Marxist circle in France with Mr. Tochkandun. Du cercle des étudiants marxistes following France, his tout comme tendering of a resignation from the president of the student union, celui-ci then I a démissionné became de la présidence de l'Union des étudiants, president of the après quoi, student union. J'en ai assumé la présidence. Lorsqu'il est rentré au Cambodge, est-ce qu'il When a travaillé à B1 Cambodia, à son retour work in et B1? Dans quel service, si c'était le cas? And if so, in which particular service? Yes, upon return to Cambodia, he worked with the Ministry of Foreign Affairs. À son retour au Cambodge, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-il arrivé à Tochkandun et What happened to Tochkandun à son épouse and durant la période du Kampuchea wife démocratique? During the democratic Kampuchea period.
got to go to the government. He worked with the ministry, and his house is close to mine, and my wife and his wife were close to sa maison était proche each de other, la mienne, and his eldest sister was my sa sœur aînée. My adopted daughter too. So the day he left his house, I fille adoptive. Remember it vividly. It was in 1977. Je me at that time in Surrey, went on an official tour to Malaysia and Singapore with Mr. Chun Prasad. When he left, his wife was very happy at that time. Lorsqu'il est parti, son épouse était because très contente. She thought that he would go to the countryside, because during the Democratic Cambodia period, car elle pensait qu'elle allait partir intellectuals pour la campagne. Who returned from overseas and attached to the base or to the countryside, it brought honors to the family. So to refashion themselves in the countryside. So they were very happy because they thought that he would be asked to teach English in the countryside. Donc, elle était ravie. Elle pensait qu'elle pourrait enseigner l'anglais à la campagne. Only later on. Ce n'est que par la suite que j'ai appris son arrestation. Donc, j'ai bien compris, monsieur le témoin, vous n'avez pas assisté à cette arrestation parce que vous pensiez que le couple Tochkandun se rendait à la campagne. Mais est-ce que vous avez vu, lorsqu'ils ont quitté B1, puisque vous étiez voisins, est-ce que vous avez vu qui les a emmenés ou qui les a transportés, soi-disant, vers la campagne? Le témoin. I did not witness it. Non, je n'en ai pas été le témoin. Je l'ai vu préparer ses effets personnels en vue de son voyage. C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu qui était venu le chercher. Est-ce que M. Yangsari vous a parlé de l'arrestation de M. Tochkandun? Le témoin. Yes, I recall. Oui. During a meeting, je me souviens qu'au cours d'une réunion, he read the confession of Tochkandun. Il a lu les aveux ou la confession de Tochkandun. Let me summarize the content of the confession. Je vais vous résumer la teneur de ses aveux, constituer la raison de son arrestation. Tochkandun avait été nommé par son autre frère, Tochkandun, qui était le ministre des Travaux publics du Kampuchea démocratique, Doitpun. During the regime under the control of Marshal Lon Nol, pendant le régime du maréchal Lon Nol, c'est-à-dire entre 70 et 75, était linked, infiltrated in Phnom Penh. Une liaison secrète infiltrée dans Phnom Penh. Later on, they had a secret network. Et il gérait un réseau secret qui comprenait ceux qui avaient la responsabilité de maintenir les liens. Nemsok, ceux-ci furent accusés d'être des dirigeants du Kampuchea démocratique. Donc, ils avaient été désignés comme étant membres du réseau d'espionnage de la CIA. Ils furent tous arrêtés, y compris Doitpun. And through that confession, it et was shown that Doitpun assigned confession Doitpun indiquait que Doitpun avait assigné Doitpun afin que celui-ci écrive quelque chose concernant la situation qui prévalait au Kampuchea démocratique. And Doitpun et Doitpun
articles translated avait écrit des articles traduits en langues étrangères et envoyés outre-mer par sa femme de Bamer, qui à l'époque travaillait à la section du protocole et qui par là avait l'avantage de pouvoir être en contact avec les missions diplomatiques du Cambodge. L'une des ambassades a envoyé ce document. That was how it was shown in the confession, and it seems to be rather logical and credible. Ce qui semblait logique et crédible. It was like a novel with different players. C'était comme un roman feuilleton avec différents intervenants. Il est apparu plausible que ce genre de choses ait pu se produire. Donc Doi Kam Dun était celui qui avait écrit les articles et qui les avait envoyés à un réseau de la CIA situé à l'extérieur par le biais de la mission diplomatique égyptienne en poste au Kampuchea. Thank you. Ah. Merci. Simplement, je voudrais, pour la transcription, Monsieur le Président, j'entends record, que l'interprétation me parle de Dok Kam Dun et Dok Pun. En fait, si je ne me trompe pas, malgré ma mauvaise prononciation, c'est bien Toch Kam Dun et Toch Pun, son frère. I understand that Toch Kam Dun and Toch Pun are brothers. And I'm saying this on the basis of what témoin, I heard from the French channel. Yangtze, vous avez lu so witness, les you said that Yangtze read to you Toch Kam Dun's confessions. Quand a eu lieu cette réunion avec Yangtze? During a meeting. When did this meeting take place with Yangtze? And who attended that meeting? Le témoin. I cannot recall the exact date. Je n'ai pas souvenir de la date exacte de la réunion. Present there, as I recall, qui était présent. All the participants, selon ce dont je me souviens, je ne me souviens pas de tous les participants. However, I believe cependant, it was je crois in 1977. Que c'était en 1977. Usually the attendees. Et généralement, les participants étaient les cadres qui travaillaient dans ma section, c'est-à-dire la section des affaires diplomatiques. Ils étaient également des amis proches de Doi Kam Dun, including Chun Prasat, Kit Chon, Al Sokun, etc. Est-ce que lors de cette réunion, meeting, comme vous, Yangtze-Ri a trouvé que les accusations, en tout cas la trahison décrite dans les aveux, étaient crédibles? Je ne peux pas tirer de conclusion à ce sujet. Ce que je puis dire, c'est que Yangtze-Ri était proche de Doi Kam Dun, et ça, je le savais clairement. Et lorsque on est venu arrêter Doi Kam Dun, Yangtze-Ri n'était pas là. Je suis certain que s'il avait été dans le pays, ces arrestations n'auraient pas eu lieu. Est-ce que vous voulez dire que parce qu'il connaissait Toch Kam Dun depuis la France, qu'il s'agissait de quelqu'un qui lui était proche, il l'aurait protégé? Someone he would have protected. Témoin. It can be said so. Oui, on pourrait dire cela. Because Yangtze-Ri, parce que Yangtze-Ri a défendu un grand nombre de cadres du ministère des Affaires étrangères.
Et pas parce qu'ils étaient des proches de lui-même. I'd like to say that je voudrais dire que la confession se lisait comme un roman feuilleton. Et lorsque j'étais à Beijing, j'étais également un agent du KGB, ça s'affigurait dans les aveux, dans la confession. Et j'ai donné des informations à l'Union soviétique, mais à Phnom Penh, je travaillais pour la CIA au sein d'un groupe a group of people de personnes known as S808, connues sous l'intitulé de S808 qui avaient des réunions hebdomadaires dans les bureaux de Chum Prasat, et les cinq personnes étaient Chum Prasat, moi-même, Ketchum, Dokam Doon et Hansin Lightney. Et Hansin Lightney n'était pas un agent de la CIA parce qu'il était le président des communistes Khmer en Union soviétique. Il était donc pro-Union soviétique. On pouvait donc en déduire que la confession était tout simplement une œuvre de fiction et on ne pouvait pas y croire. C'est en tout cas ce qui m'est apparu clairement. Tout à l'heure, vous aviez dit que cela paraissait crédible, ce qui avait été raconté, mais dois-je comprendre que cela ne l'était pas concernant la mise en cause de certains, d'un certain nombre de cadres de B1, dont vous-même, Chun Prasit, Ketchum, Hansin Lightney, etc. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Témoin. Yes. Oui. When it is clearly shown that people were CIA agents, that they would be arrested. Il apparaissait clairement que quelqu'un était membre de la CIA, il aurait été arrêté, bien entendu. Mais si tous avaient été arrêtés, on aurait pu fermer le ministère. It could not be functioning. Car il n'aurait plus fonctionné sans nous. It seems that it's too extreme. Cela semblait trop extrême. Merci. De manière générale, sous le Kampuchea démocratique, speaking, vous avez parlé tout à l'heure de mise en cause. Alors, que se passait-il si on était mis en cause dans des documents? Et combien fallait-il de mise en cause pour qu'il y ait des conséquences? Incriminations were necessary for there to be consequences? Je vais vous répondre. Non seulement fabricated or complicated, but that should be documents. For example, in early 1976 or 1977, mais en fait, il fallait des documents en 1976-1977, par exemple. S'il y avait trois documents. Par exemple, si j'avais un ami au ministère des Travaux publics, et s'il y avait une petite réception le soir à laquelle j'étais invité à participer, j'aurais bien entendu participé. As we know, Toi Phuen was the minister of public works. Then we would be able to get something to eat, maybe a chicken feed. Et donc on aurait pu y avoir un repas.
de réception avait été arrêtée, si l'on avait participé, cela signifierait que j'aurais eu un document à ma charge. Si c'était arrivé trois fois, j'aurais eu trois documents qui m'impliquaient. Et Kitchen lui-même m'a invité à plusieurs reprises, mais j'ai refusé du fait de mes problèmes intestinaux. Quant à lui, il avait plus de 60 documents ou 60 dossiers à sa charge. Et si quelqu'un avait trois dossiers qui l'impliquaient, qui le mettaient en cause, il était arrêté. Mais dans ce cas-là, c'était excessif. Il y avait plus de 60 documents le mettant en cause. But in my case, first I had three cases of three documents ce qui me concerne, me, but later on they moi j'avais trois dossiers à ma charge, deux ont été ajoutés plus tard, et malgré cela, j'ai été épargné. Pourquoi? Parce que dans les deux premiers documents, j'étais accusé d'être un révisionniste, that means, ce qui signifie que j'étais favorable à l'Union soviétique et favorable au Vietnam. Donc j'ai été en tant que révisionniste. Et donc, on m'a traité de révisionniste dans quatre documents. J'avais été à moitié accusé dans un autre document. On a dit que tous les intellectuels venant de France étaient révisionnistes. Mais il n'a pas réussi à mentionner des individus en particulier, ce qui fait que mon nom n'avait pas été mentionné. Dans ce cas, donc, il ne s'agissait pas d'un dossier complet à charge, mais d'un demi-dossier. Et là donc, j'avais quatre dossiers et demi ou quatre documents et demi m'impliquant, ce qui fait que je ne pouvais pas être impliqué. Mais je dois dire également qu'au ministère des Affaires étrangères, c'était moi qui avais la liste des documents qui m'incriminaient. Il a été dit à un moment que c'était moi qui de manière encore différente dans les émissions de Radio Free Asia. Je vais simplement fixer les choses en ce qui concerne les dossiers qui étaient portés à charge de quelqu'un. En 1978, les dossiers 8 points. And by that time, there was no distinction à ce moment-là, il n'y avait pas de distinction entre le peuple ancien et le peuple nouveau. Donc, it was Madame Intedet who came up with Madame the eight Intedet documents or eight cases, qui a produit les huit documents, les huit dossiers, et qui on a parlé à Pol Pot. Mais Yeng Sary n'a pas osé le dire, mais c'est Madame Itirit qui était Pol Pot s'est marié avec une autre personne, but by that time, l'histoire a changé, mais it came à ce moment-là, le nombre de dossiers qu'il fallait pour que quelqu'un puisse être arrêté avait été porté à 8. Mais par exemple, si l'accusateur n'était jamais confronté avec l'accusé, et ça c'était le problème. Lorsque j'ai visité le musée de Tung Sueng, j'ai vu un certain nombre de mes amis qui étaient fidèles, loyaux, qui étaient des gens bien. But were taken and killed there. Mais qui avaient été détenus et exécutés là-bas. That was really a pity. Et c'était vraiment my très apology to dommage. The, je, the brothers, if I knew that that was the result, mes excuses, I would si j'avais su que le résultat aurait été celui-là, je n'aurais because pas rejoint myself, ce groupe, car moi-même, I reach a point of no return, je suis arrivé à un point non-retour. J'ai compris que je ne pouvais plus supporter ce qui se passait. Il ne s'agissait plus d'une révolution. Cela ne servait plus le peuple ou le pays. J'ai ressenti toute la douleur. Et, Monsieur le Président, lorsque je vois
les frères Bonbon, qui ont passé presque leur vie entière dans cette voie, des personnes que je connaissais fort bien. Et quand on vient là aux questions de religion, the other truths are gone. Only the one bodies are here, representing en fait, by those Bonbon brothers. Plus que les corps de ces frères Bonbon. Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce que je pourrais Thank vous demander you, d'être un peu plus concis May I ask you to à be a little bit more concise que je pose, et je sais que in your answers to my questions? I know that you're about to say, clarifier, but vous avez parlé just des trois amis for fidèles clarification, et loyaux. You spoke about the three loyal friends and three faithful friends, and you mentioned their names in your statement. Chief Chinling, was this Chief Chinling, Insopan, Inchamron. And Inchamron? Hinn Chamran was an engineer in the public works from France. Chamran était un ingénieur des travaux publics. Il venait de France, formé en France. President. Le président. Mr. Prosecutor, Monsieur le procureur, state the names? Pouvez-vous indiquer clairement les noms Because des personnes auxquelles vous vous référez? Son. Car c'est Hinn et pas Son. So please make your Veuillez, question s'il vous plaît, so that formuler votre question clairement afin que le témoin soit en mesure de répondre pour éviter tout malentendu. Oui, merci. Alors, il s'agit du document D-147. Je porte aussi la référence E3/101 et à la page 4, en khmer, c'est 0029-04-37, et en anglais, 0029-04-43. Je vais peut-être vous citer le passage en question et demander de fournir la déposition de Monsieur le témoin au témoin lui-même pour qu'il puisse voir les noms en khmer. So donc je répète pour Monsieur Lucier, c'est 0029-04-37 en khmer. Et si on peut aussi, Monsieur le Président, projeter cet extrait à l'écran. The President, Le président. Yes, you may proceed. Court officer, could you deliver the document Monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. Alors, il s'agit d'un passage so qui parle de, du retour des intellectuels. Referring to the return of the intellectuals. Et du fait... And je vais reprendre le passage en entier, y compris la question. Donc, on parle du retour des intellectuels au pays. So here it's Donc, quelle était la méthode utilisée, c'est ça la question, donc pour les faire what revenir was the La réponse, to have them je me souviens return, par exemple qu'en septembre 1975, à l'occasion du déplacement à l'ONU d'une délégation dont je faisais partie, nous nous sommes arrêtés à Paris, to the UN, à une réunion, et une réunion a été organisée pour inciter les intellectuels à rentrer au pays. Il y avait là certains de mes amis qu'on appelait Some of my friends were present who were considered progressive dont, intellectuals, exemple, such Chief as Chief Chinling, Insopan, and Hinn Chamron. Ils sont rentrés au Cambodge they returned et to Cambodia, ensuite, and all ont disparu. Disappeared J'ai découvert subsequently. Leur nom à Tulsleng il y a deux I discovered ans. Their names J'en ai été bouleversé. Ago, Je me suis alors engagé à raconter l'histoire de ces I personnes. Et c'est la raison profonde persons, de ma volonté de collaborer avec ce tribunal. Je voulais savoir si c'était bien les trois personnes dont vous aviez fait mention, Monsieur le témoin, qui se trouvent mentionnées dans ce passage. Yes. Le témoin, oui.
When I talked about the names at those lines, lorsque j'ai parlé des noms que j'ai retrouvés à Trondheim, il y avait d'autres noms en plus. Il s'agissait de mes amis que j'avais connus au cours de mes études, y compris à l'école de Kompancham. Deux étaient des frères et ils étaient de nationalité Lao. Ils résidaient à Baxé. At that time, the à l'époque, Laos students les étudiants Lao de Baxé, c'était au sud du Laos, venaient étudier au Cambodge. Il n'y avait pas d'école secondaire ou de collège, et donc ils venaient à Kompancham pour poursuivre leurs études. Et j'ai vu 5 à 6 autres noms, ce qui m'a véritablement choqué. Ce sont des noms qui viennent s'ajouter à ces trois noms. Dilchin Lay était l'ancien responsable du port de Kompancham, Sihanoukville. Yum est allé en France, sa femme était française, il avait un enfant, et il a dû se sacrifier, laisser sa famille derrière pour contribuer au pays. Il était un proche ami de Yang Sari. Quant à Heng Supan, il était ingénieur. From the Lego Central in Paris. De Centrale à Paris. Il sortait de l'école centrale de Paris. Il était le frère de Supan. En ce qui concerne Chumran, le président, the prosecutor, you may continue your question. Monsieur le procureur, vous pouvez poursuivre. Je vois que l'évocation des noms est assez émotionnelle pour le monsieur le témoin, donc je vais passer à autre chose. Tout à l'heure, on a parlé du nombre de documents qu'il fallait pour être arrêté. Et vous avez parlé tout à l'heure de la confession des aveux de Tosh Damdung. Donc, quand vous parlez de ces documents, est-ce qu'il s'agit d'accusations qui figurent dans des aveux ou dans des confessions de personnes qui avaient été préalablement arrêtées? Yes. Témoin, oui. Vous avez parlé également du fait que vous-même, vous aviez été mis en cause, donc accusé dans certains documents, et que c'est arrivé 4 fois et demi. Comment avez-vous appris tout cela? Est-ce que vous avez eu accès aux aveux dans lesquels vous avez été mentionné? Non, je n'ai pas eu accès à ces aveux ou confessions. Je l'ai appris parce que ce jour-là, c'était en 1977, mais je ne me souviens pas du mois de l'année. Yang Sari m'a appelé dans son bureau au ministère des Affaires étrangères et il m'a dit que dans la confession de Ruth Saren, qui était le directeur de l'aviation cambodgienne, Royal Air Cambodge, et qui était également mon ami depuis l'école de Sisowat. Il était aussi un ami de Kitchon. Et dans sa confession ou ses aveux, étant accusé d'être le responsable de la CIA, il avait indiqué que Kitchen et moi-même, nous étions également des agents de la CIA. C'est la raison pour laquelle Yang Sari m'a appelé dans son bureau pour clarifier les choses.
Et je voudrais également ajouter qu'il y avait beaucoup de circonstances favorables pour moi. Je me souviens également qu'en 1971, j'avais dû me rendre en Algérie avec Jean Durand for a conference meeting pour une conférence in the capacity as the representative en tant of the front. Que représentant du front. And the conference et was la conférence for the était une conférence for the free press of the communist movement. And I destinée à la presse Paris. Du mouvement communiste, j'avais transité par Roussarin Paris, et à ce moment-là, M. Roussarin était le représentant of Marshal Lonnol, du maréchal Lonnol. Because by 71, parce qu'en 71, le coup d'État renversant le prince Sihanouk avait déjà eu lieu. President. Yes, you may proceed. Le président, je vous en prie, continuez. Monsieur le procureur, monsieur le témoin, veuillez écouter attentivement les questions et limiter vos réponses à la teneur des questions qui vous sont posées. Et essayez de répondre de manière brève et concise et portant précisément sur la question qui vous est posée. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le témoin, de vous interrompre. Sorry for interrupting you, witness. Nous avons bien compris qu'en réalité, vous aviez été accusé, mais finalement, vous n'aviez pas été arrêté. Mais concrètement, après l'entrevue avec Yang Sari, est-ce que Yang Sari vous a demandé de faire quelque chose à la suite de ces accusations de Roussarin dans sa confession? Roussarin's accusations in his confession. Le témoin. He asked me to il m'a write demandé my de rédiger ma biographie in the Khmer language, en Khmer which I have seen just then, que j'ai vu tout à l'heure. And that document has been copied by the documentation center of document Cambodia. Qui a été reproduit par le centre de documentation du Cambodge. That was the biography that he asked c'est me to la write. Biographie qu'il m'a demandé de rédiger. Merci. Thank you. Peut-être dernière question, Monsieur last le Président, question, avant d'interrompre, j'imagine bientôt. Before we adjourn soon, dans cette biographie qui porte donc la référence D154.3, vous avez sous les yeux, Monsieur le Témoin, vous avez pris, il me semble, un grand soin à l'époque. You took great care, cela date de, je crois qu'elle date de juin, c'est ça, juin 77. And I believe this confession dates back to June 1977. You took great care in this biography. Un certain nombre de personnes, to characterize a certain number of people as traitors or as despicable. Et c'est traduit en anglais par contemptible. And in English it's translated as contemptible. Et je vais in fact. Citer toutes les personnes and qui I'm going figurent to dans cette biographie all of the people referred dont les noms to sont in this biography, des qualificatifs traîtres ou méprisables. Are, il y a justement Roussarin. There's Roussarin. Je crois pas que je vais citer tous les noms d'IRN, mais en tout cas pour Roussarin, c'est à la page en Khmer 4x0 3478 en anglais 00081673730 en français 00290760. Si vous avez cité beaucoup d'autres noms, à part Roussarin, il y a aussi Roussarin, Seng Savat, Seng Savat for example, qui est appelé S-A-I-N-G, Savat, S-A-V-A-T. Il y a Komret, there's Komret, K-O-A-M-R, et puis l'autre mot R-E-T-H, K-A-O-M, Hunim, Hunim, Hak Seng Leni, que vous Hak avez Seng mentionné Leni, précédemment, whom you mentioned previously, Keomis, Keomis. Et vous avez indiqué que c'était le directeur de l'AKI. Sok Thun Pala, Toch Pun et Toch Kamdun que vous avez déjà mentionné auparavant. Who you already mentioned previously.
Si besoin en était, je peux signaler quels sont les numéros d'IRN. And I can provide the ER numbers if necessary, but I'm not sure that donc, is the case. Donc au moment où vous avez écrit cette biographie à demande de Young Service, this biography upon Young Service request, justifié et normal en réalité que vous utilisiez ces mots you to use pour such terms peut-être as contemptible, prendre vos distances par rapport à toutes maybe ces personnes. To take distance in relation to all of these incriminated people. Anang témoin. Those individuals ces personnes were announced by the party as CIA agents and avaient été déclarés comme étant des agents de la CIA et des traîtres à l'organisation par la direction du parti. As such, it hated to be stated so. En tant que tel, il fallait faire cette déclaration, que vous le croyez ou non. That, what was to be done. C'est ce qu'il fallait faire. Où c'était ce qu'il fallait faire. I do not know je the fact that by putting such je ne sais pas or names that I will si be labeled as en faisant de telles allégations, je me verrais traité d'opportuniste. However, if I were not cependant, to write down those names, si je n'avais what pas would be the consequences? Établi cette liste de noms, quelles auraient été les conséquences? That's what we call the Khmer democracy. C'est ce que l'on appelle la démocratie Khmer. Let me just tell you that laissez-moi was the simplement way vous to the dire que d'après les Cambodgiens, si c'est une soupe Khmer, c'est une soupe Khmer. Vous ne pouvez pas dire countries. Que tout allait bien en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. The president, thank you. Le président, je vous remercie. The proceeding today has come to a conclusion. L'audience touche à sa fin. Nous allons donc lever l'audience tomorrow, pour aujourd'hui et reprendre demain starting from 9 a.m. à 9 heures and tomorrow, the chamber du matin et demain, la Chambre continuera à entendre le témoin Sun Sikun qui sera interrogé par l'accusation et par les avocats en chef pour les partis civils. Monsieur Sun Sikun, puisque votre comparution n'est pas terminée, nous vous invitons à revenir demain. De même, votre avocat devra être présent demain. Monsieur l'huissier d'audience, en collaboration witness to return avec to his residence and have him return to the office organisera le retour right du témoin à son domicile, fera en sorte qu'il security soit ici guards, pour 9h demain matin. La sécurité va maintenant reconduire les accusés à leur lieu de détention et s'assurera qu'ils soient présents à 9h demain matin. La séance ou l'audience est levée.